À toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 23 novembre 2022. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé action à l'envers. L'action est l'accélérant qui embrase vos désirs, n'est-ce pas? Mais cette carte, elle est à l'envers. Eh bien, vous pourriez trouver qu'il manque quelque chose dans votre détermination ou même votre capacité de mener à terme votre projet. Vous avez un projet et vous avez des difficultés à aller jusqu'au bout de ce projet. Posez-vous la question, qu'est-ce qui freine ce projet? Pourquoi? Vous trouverez les réponses, n'est-ce pas? Vous avez peut-être pris vos désirs pour des réalités plutôt que d'avoir... Eh bien, tout simplement, fait des efforts constants. Il y a peut-être un manque d'efforts journaliers pour arriver à terme de ce projet. Avez-vous toutes les cartes en main, les tenants et les aboutissants pour mettre sur pied ce projet? Ou alors vous devez peut-être apporter des ajustements à ce sur quoi, eh bien, vous vous concentrez. Il serait peut-être bon pour certains d'entre vous, n'est-ce pas, de dresser un plan structuré. Et puis, eh bien, évidemment, vous assurer d'agir quotidiennement. Ne pas agir un jour et puis laisser 5 jours votre projet. Je pense que votre projet, il est bon. Ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez dans la tête, c'est bon. Mais il faudrait que vous soyez un peu plus discipliné. Voilà. Discipliné à ce projet. Cette façon de faire, eh bien... vous aidera à vous rapprocher de vos objectifs, n'est-ce pas? Ayez une structure quotidienne. Soyez aussi flexible, mais pas trop, n'est-ce pas? Mais et certainement persévérant. Soyez toujours conscient de votre habileté, à agir par vous-même. N'attendez pas que les autres viennent. Agissez de vous-même. Soyez persévérant dans ce que vous faites. Il y a peut-être un manque de persévérance et un manque de confiance. Pourquoi ce manque de confiance en vous pour aboutir à ce que vous pensez, à ce que vous avez mis sur pied dans votre tête. Donc, ayez confiance en vous. Ce projet, il est bon, il est là. Il faut juste que vous passiez à l'action et être permanent. Et vous y arriverez. C'est juste que pour le moment, ben, la carte, elle est à l'envers, donc... on vous conseille d'être un peu plus déterminé. Pour l'affirmation, je suis responsable de ma propre vie, j'agis pour atteindre mes objectifs et être tous les jours. Et être vous-même tous les jours.
être heureux tous les jours, c'est tellement important. Allez, on termine avec la message de l'âme et j'ai pigé se lancer. Ben voilà, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est une belle synchronicité, n'est-ce pas, avec l'action à l'envers, se lancer. Je vous souhaite une toute belle journée. Et puis, on se retrouve demain. Je regarde parce que j'ai mon chien qui est en train de faire le pitre dans son panier. Et il me fait rire. Je m'excuse. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Et puis, dans l'amour, n'est-ce pas? Dans la joie, l'empathie, la bienveillance, etc. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain. Thank you.